Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Je me retrouve aujourd'hui devant le Lidl de Tourcoing qui se trouve juste là. Je suis jamais allé mais c'est un beau Lidl. Et pour vous présenter ici ce qu'ils appellent la e-station de chez Lidl. Donc la e-station de chez Lidl, qu'est-ce que c'est? C'est des bornes de plusieurs puissances, de plusieurs vitesses de charge et qui permettront donc de charger nos voitures électriques directement sur le parking. À ce matin, on voit qu'il n'y a pas de voitures qui sont garées parce que là, comme vous voyez, il n'y a aucune séparation avec le parking client. On a tout le parking client qui se trouve juste derrière, et les voitures qui viennent. Et donc on pourrait se dire que y a des gens qui viennent se garer ici pendant leur course sans faire de recharge, donc ça serait un petit peu embêtant ces voitures ventouses. Mais là ce matin il n'y a personne et le parking est quand même plutôt bien rempli, on est dimanche matin. Je suis venu avec un abonné, Mickaël, qui me suit depuis un certain temps, qui a reçu sa Model 3, la grise qu'on voit ici, depuis le mois de mars je crois. Depuis le mois de mars. Voilà, depuis le mois, attention derrière toi. Ouais, depuis le mois de mars, et donc ça fait quelques temps qu'il regarde, parce que lui il est toujours à l'affût des charges qu'on peut avoir gratuites par-ci par-là, et du coup il m'a proposé ce matin d'aller faire un tour ici pour un peu découvrir ce superchargeur, on peut l'appeler comme ça, parce que comme vous allez voir tout à l'heure, il y a la possibilité de charger très très rapidement ici. Voilà, tu veux parler un peu peut-être de ta voiture On va essayer, c'est une Model 3 propulsion 60 kW. Ouais. Donc on va essayer de l'enchaîner d'une charge pour voir. Oui, on va le faire tranquillement. Ce qui est noté, c'est qu'il y a une. C'est le prix de la charge plus le. Ouais, plus l'opérateur, sauf si on utilise le badge Lidl. Exactement, on va le voir là. Avec le QR code Lidl pour voir si ça marche et combien on peut tirer. Ça marche. Avant de se lancer dans ça, je vais juste te montrer tout à l'heure quand on est arrivé sur le parking. On arrive dans cette direction. Donc là, c'est l'entrée du parking. Et ensuite on arrive ici, on tourne simplement. Et comme vous pouvez le voir ici par terre, c'est clairement noté. La puissance de charge sur les bornes. Donc ici on a une borne 360 kW, celle qu'on voit ici. Et puis celles d'à côté, elles sont un peu moins rapides. Celle-ci, elle est très adaptée à la Model 3 propulsion, elle est en 180 kW. Et donc on a ici 1, 2, 3, 4. Emplacement, donc il y a 280 et après ici on a du 90, donc selon la puissance désirée. Ici, si vous avez par exemple une i208, si je me trompe pas, elle charge à 90, on se met ici et ça évite de prendre l'emplacement par exemple de quelqu'un qui pourrait charger à 360 kW comme avec une Ioniq 5 par exemple. Là on est sur du 90 toujours, donc il y a 4 bornes 90. Ici on a de nouveau une 180, donc toute seule, et après on a 3 bornes en 22 kW. Et donc ces bornes en 22 kW ici, vous allez voir, elles sont un petit peu plus simples. On a des tarifs qui sont affichés ici à 25 centimes du kWh en 22 kW, et vous avez aussi la possibilité ici de charger si vous n'avez pas le choix en 3 kW, donc sur une prise domestique type Green Up. Donc ça c'est vraiment la vitesse la moins rapide. Et ensuite, donc toutes les autres bornes, peu importe la puissance, sont à 40 centimes du kWh. Ce qui est un peu... on a cherché tout à l'heure, il n'y a pas encore l'affichage en fait du kWh sur le bord de la route. Donc on ne sait pas, pour les personnes qui passent devant la route, combien coûte la recharge. Et c'est un point peut-être positif aussi. C'est-à-dire que le fait qu'il y en a ici, donc un autocollant collé, en dur avec le tarif là, c'est que c'est, on va pas avoir des changements de prix tous les matins. On risque d'avoir ce tarif là pour une certaine période, et quand il y aura un changement de prix, ils seront obligés de venir le décoller, en recoller à nouveau, en attendant qu'ils fassent cet affichage qui pourrait venir peut-être assez rapidement, parce qu'on a certains autres e-stations en fait qui en sont équipés. Ici non. L'information que je voulais vous donner aussi, c'est que ces chargeurs sont faits par ABB, donc qui est un nom très très connu pour ceux qui sont dans la robotique. Souvent, chez les fabricants de voitures d'ailleurs, tous les robots qu'on peut avoir, souvent c'est du ABB, donc très très connu dans le milieu. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, Cali s'amuse sur l'écran, on a un petit écran tactile.
Et en fait, je pense qu'on peut complètement s'en servir sans l'écran tactile. Je viens de le remarquer également, hein, ici on a une borne qui est CHAdeMO. Donc cette prise-là, c'est pas une CCS, c'est une CHAdeMO comme on peut le voir. Donc pour les Nissan, c'est pas mal, je pense que c'est la seule, parce que c'est la seule qui est bleue. Toutes les autres sont noires, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, elles sont toutes noires. Donc il y a une CHAdeMO qui est ici, donc pour les Nissan, et sinon, bah, on a les types CCS combo. Donc sur tout ça, c'est plutôt pas mal. Là où il faut faire attention quand même, c'est que si vous avez une voiture qui est équipée que d'une type 2 et pas CCS, bah, peut-être que vous avez été embêté, je vais regarder vite fait là-haut, mais vous avez été embêté parce que la type 2 n'est pas prévue. C'est que du CCS ici, comme on peut le voir. Hop, c'est du CCS. Donc bah, si vous avez une type 2, il faudra se mettre sur les bornes en 22 kWh, en 22 kW, pardon, qui sont au bout. Une autre information que je voulais vous montrer, c'était que ici, bah, vous allez pouvoir recharger votre voiture. Et ce qui est très très bien chez Lidl, c'est que c'est très bien noté, noir sur blanc. On a ici la possibilité de payer par carte, donc une carte type, comment il s'appelle, Shell Recharge ou Charge Map, etc. Donc des cartes comme ça que j'avais dans la poche. Et par contre, on a donc le tarif Lidl, donc de 40 centimes, plus des commissions de l'opérateur. Donc à chaque fois, bah, vous pouvez avoir un surplus à payer selon l'opérateur. Donc ça, c'est un truc à vraiment prendre en compte. Et donc l'idéal, bah, ça serait d'utiliser directement le smartphone en scannant le QR code. Donc il le note, à scanner le QR code, on s'identifie, on le branche à la voiture, on connaît le statut de charge et puis on stoppe la charge. Donc on peut le faire ici directement depuis l'écran également. Il y a juste une petite information aussi, hein, c'est que ici vous avez un écran qui est un tout petit peu plus petit que sur les bornes très rapides, hein, qu'on a au bout. Là on vient de voir une Fiat 500e qui vient de se garer, il vient pas charger, il s'est mis sur la place la plus proche du magasin et est parti faire ses courses. C'est typiquement le type de comportement en fait bah, à proscrire. Hein. La personne qui voit la vidéo, j'espère qu'il saura corriger. Parce que là clairement il prend une place et c'est pas parce qu'il y a de la place qu'il faut la prendre. C'est pas des emplacements pour se garer pour une voiture électrique, c'est des emplacements de recharge. Donc on ira lui dire tout à l'heure si on le revoit, parce que je pensais qu'il allait charger en fait. On va lancer une charge si tu veux. On va regarder si c'est compliqué, si c'est simple. C'est la toute première charge qu'on va faire, donc on vous cache pas que on va peut-être galérer, que on va vivre l'instant tel qu'on le ferait en vrai. Alors, donc là on va la brancher. Attends, il y a le cache là. Donc vous voyez que c'est protégé quand même. Bien inséré, elle n'est pas insérée au bout. Ah, on sent que c'est neuf. Hein. Voilà. Donc là il est branché. Alors, on va essayer de faire. Il met connexion OK, donc départ. Et là, on va payer par smartphone, oui. Ah, donc, c'est quand même assez simple. Et donc, avec le smartphone, ici, on va pouvoir scanner ce QR code. Et vous voyez, en fait, à côté du QR code, ça, faut le savoir, hein, c'est qu'il y a un code ici, le ZLBH1. Et ZLBH1, en fait, ça va correspondre ici bah, à la borne. Donc là on va pouvoir, alors je regarde, hein, est-ce qu'on peut démarrer la charge, je sais pas à quel moment est-ce qu'on paye, je sais pas comment ça marche. Le prix des bombes d'énergie, si tu cliques sur démarrer la charge, qu'est-ce qui se passe, parce que t'as pas rentré de carte bleue. Voilà, vous êtes sur le point de démarrer la charge, autorisation à un paiement de 50 €, c'est-à-dire qu'en fait il y a un prépaiement qui se fait, un peu comme sur les cartes bleues. Hein. Là, je pense qu'il va falloir rentrer, voilà, le moyen de paiement, donc une carte bleue ou... Ah, j'ai bon. Voilà. Voilà. Là, ici, en fait, il y a les informations de carte bleue à renseigner. Ouais. Je vais pas filmé des trucs ça. J'ai pas. Donc voilà, j'ai rentré mes informations de carte bleue. Bon, je vais pas les montrer tout à l'écran. Mais ici, donc, je vais pouvoir confirmer l'autorisation. Voilà, donc ça prend un certain temps à voir. Je vais voir si sur l'écran il y a quelque chose qui s'affiche
Voilà, sur mon téléphone portable, il me demande donc de valider. Et donc je vais valider avec un code. Hop. Donc toutes ces opérations-là, on les a habituellement. Juste que je valide, là, vous voyez sur mon téléphone, la transaction. Une fois que c'est fait, on va retourner. Donc ici, vous voyez que la connexion est OK. J'ai terminé. J'ai retourné ici, continuer. Et on va voir normalement le paiement, enfin l'autorisation est faite. Voilà, c'est bon. C'est écrit donc, you're about to start charging, waiting for the station to send the response. Et ici, hop, c'est noté. Vérification, vous êtes en train de charger. Alors, charge et décaler jusqu'à ce que l'alimentation soit disponible. Alors, regardez ce que ça raconte. Hein. J'ai regardé aussi sur la voiture. Donc là, ce que vous voyez quand même, c'est que le câble, il est suffisamment long. Il est plus long que sur un superchargeur Tesla, par exemple. Donc, vous pouvez largement charger sur les côtés. Si vous venez sur une voiture qui n'est pas Tesla, en marche avant, bah, vous pouvez charger sans aucun problème. Hein. C'est pas des câbles qui sont très courts. Et donc ici, la charge est décalée. Alors, erreur de charge, problème de communication, éteindre la voiture et réessayer. Donc, il veut que tu éteignes la voiture. On va faire ça, hein, peut-être. On va laisser la petite trappe se fermer. On va la rouvrir. Voilà, on va essayer de rebrancher. Fallait peut-être pas brancher dès le début. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il met? Je vais mettre OK quand même. Voilà, départ. Là, est-ce qu'il faut que je recommence? Alors, regardez, on n'est pas en train de faire de la bonne pub à Lidl. Hein. On va s'y reprendre une deuxième fois. Try again. Alors là, il me dit que je peux réessayer. Ah, ça y est. Là, sur l'appli, j'avais un bouton à appuyer pour relancer. Donc là, il me dit que je vais commencer là dans une trentaine de secondes. On va voir si c'est vraiment le cas. Bon, c'est moins rapide qu'un superchargeur Tesla, hein, les messieurs de chez Lidl et de chez ABB. Mais bon, ça charge. On n'a pas trop galéré. Vous avez vu en temps réel comment ça marchait. Donc ici, vous voyez hein, sur le téléphone, on peut voir la charge qui se déroule avec le prix que ça va me coûter en temps réel. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que bah, ça évite d'avoir des surprises en se disant tiens, je vais charger tant et puis en fin de compte, on sait pas trop ce que ça va nous coûter. Et ici, vous voyez hein, que bah, la voiture de Michael est déjà à 66%, donc ce qui va aussi expliquer qu'on va pas charger très rapidement, parce que en plus elle est froide. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait moins 1 ce matin, et là il fait 0 degré, je dirais. Et là, vous voyez en temps réel la recharge. Donc là, ici, sur l'application, enfin c'est pas une application, mais sur le téléphone, ça se met pas réellement en temps réel, je veux dire, de suite. Ici, il me met quand même qu'il y a un minimum de 12 euros à avoir en crédit. Bon, ben après, je pense pas qu'on soit obligé de payer 12 euros minimum. On peut charger 5 kW. 12 euros, c'est beaucoup. Hein. Ça fait une grosse charge. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas de hotline. C'est noté là, donc pas de hotline. C'est peut-être un peu compliqué le jour où il y a un souci, on peut pas, il n'y a pas d'assistance en fait. Voilà. Là on a chargé presque 1 kWh. Hein. Alors regardez peut-être dans la voiture ce qu'elle indique, si t'en penses. Alors. Donc ici on est à 20 kW hein, en puissance pour l'instant, on est loin des 180 indiqués, ce qui est logique. Hein. Ça va peut-être monter encore tout à l'heure, mais comme il fait très froid et que la voiture a déjà 66%, ça peut expliquer ce temps. On me met un temps restant à 1h15, donc ce qui est beaucoup hein, aussi. Et puis voilà quoi. Donc là, on va regarder, on va surveiller cette puissance si elle s'est montée un petit peu ou pas. Ou si on va rester à 18 kW finalement. Et à 18 kW, on aurait peut-être mieux fait de se charger sur une borne finalement là-haut à 11 kW, il n'y avait pas une grosse différence pour la différence de prix si on n'était pas très pressé. Voilà, on vient faire surtout un test, on n'a pas vraiment besoin de faire cette recharge.
Mais on va surveiller. Là, on voit que ça monte tout doucement hein, à 22 kW. Donc, voilà. En attendant, ce qu'on peut remarquer aussi, hein, c'est que en haut, vous avez des panneaux photovoltaïques, donc qui permettent aussi d'alimenter en partie, parce que je pense pas que ça permette de complètement alimenter ces chargeurs. Mais bon, ça a le don d'être au-dessus, donc ça permet de fournir de l'énergie. On voit aussi que c'est éclairé. Là, c'est le jour, donc il n'y a pas, mais il y a des capteurs de luminosité donc, qui permettraient d'éclairer toute cette partie-là le soir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Vous voyez que les gens, quand ils rechargent, vont pas forcément remettre hein, les caches de protection. Donc ça, je pense que ça va pas très bien vivre. Et vous voyez que c'est vraiment une toute petite partie ici en caoutchouc. Donc ça va s'arracher, c'est sûr. Mais globalement, je peux que saluer en fait cette station, parce que c'est une station de plus. Elle est très intéressamment, enfin, je sais pas si ça se dit. Elle est très très bien située en tout cas par rapport à un superchargeur. Parce qu'en fait, le superchargeur de Roncq, celui qui se trouve au nord de Lille, à 10 km au nord de Lille. Lille, il y en a deux. Hein. Donc celui-ci se trouve à 1,5 km, j'ai regardé tout à l'heure, 1,5 km du superchargeur. Donc pour quelqu'un qui passe finalement, qui veut charger superchargeur, soit il a une Tesla, il va au superchargeur, il va payer peut-être un petit peu plus, on est à peu près à 40 centimes hein, en ce moment. Ou alors on peut venir ici, on peut charger pour quelqu'un qui peut charger très vite, on peut aller jusqu'à 360 kW. Et donc charger sur le superchargeur ici de la station de Lidl plutôt que d'aller au superchargeur Tesla qui est normalement je pense ouvert parce que c'est des V3, il est ouvert à toutes les autres voitures. Je pense que c'est le cas, j'ai pas vérifié hein, mais a priori ça devrait pas poser de problème. Donc voilà pour les informations. On peut aller faire un petit tour ici rapidement sur les bornes en 22 kW qui ont peut-être un petit peu moins d'intérêt pour ceux qui veulent charger rapidement, parce que moins d'habiter dans le quartier ou de travailler dans le quartier, une charge ici ça va prendre un peu plus de temps. Hein. Donc si vous faites vos courses par exemple, si vous passez une heure dans le magasin en chargeant ici à 11 ou 22 comme sur la mienne permet de charger à 22 kW, ce qui est un double chargeur, celle-ci finalement j'ai pas payé très cher. Et si j'ai un petit peu de charge à faire, une heure dans le magasin, ça me suffira largement. Alors, on va retourner à la voiture pour arrêter cette charge. Je voulais quand même jeter un œil sur la puissance actuelle de charge, parce que tout à l'heure, on était monté à 22. Et là, je voulais voir combien on était. Alors, je vais regarder rapidement. Ouais, on est que à 16 kW, donc le fait d'avoir une batterie qui n'avait pas été préconditionnée, c'est pas génial, parce qu'on ne charge pas très rapidement. Là, je vais voir si je vais pouvoir l'arrêter. Donc effectivement, il me dit d'utiliser mon smartphone hein, pour l'arrêter. Là, j'ai mon smartphone, j'ai fait stop charge. On a remis 2 kWh en l'espace de quelques minutes, hein, le temps de faire la vidéo. Donc là, on va voir ce qui se passe hein, quand on l'arrête. Ouais, on a attendu que ça s'arrêtait, donc vous êtes autorisé à arrêter la charge. Charge arrêtée. Sur le téléphone, il est encore en train de dire qu'il essaie d'arrêter, mais il l'a toujours pas fait. Et je pense qu'on va pouvoir quand même la débrancher. Vous déverrouillez à prise. Voilà, donc on peut la débrancher sans problème. Vous déverrouillez à prise. Ah oui, il faut la déverrouiller aussi, ça c'est sûr. Là, du coup, il n'y a pas de bouton sur le chargeur, on peut pas... On peut pas le appuyer comme ça chez Tesla. Et on remet bien tout ça. Alors en espérant qu'elle elle vive bien ces bornes, parce que ce sont des bornes en fait toute voiture. Et puis on voit souvent de la dégradation. Des gens même qui n'utilisent pas ces bornes, ça peut être n'importe qui, des gens qui passent, qui prennent comment on appelle ça, le pistolet charge, qui le jette par terre, qui le fracasse, et comme c'est du plastique, c'est assez cassant. Et donc j'espère que ça va être assez respecté quand même, pas qu'on va avoir de la casse sur ces bornes. Voilà, donc sur mon téléphone, on va pouvoir quand même voir la confirmation
du montant directement sur le téléphone, donc de 80 centimes, on a mis 1,97 kWh. Et là, ça nous a pris 6 minutes, donc pas très très rapide, hein, parce qu'il faisait très froid, on n'avait pas préconditionné la batterie, et la voiture était quand même à plus de 60%, donc c'est logique, on va dire. Je m'attendais un tout petit peu plus quand même, hein, à du 30 ou 40 kW de puissance. Mais bon, voilà, ça c'est à savoir. Je pense que si on vient avec moins de 20%, bien, on fera le test une prochaine fois, mais bien chaud de la batterie, on devrait pouvoir tenir les délais. Voilà, donc ça c'est une très bonne information. Moi, ce qui m'intéressait surtout de savoir, c'était d'avoir le montant ici de 80 centimes qui s'affiche tout de suite et qu'on n'ait pas à attendre comme chez sur la carte par exemple Shell le mois suivant pour avoir le montant. C'était un petit peu compliqué quand on avait fini charge chez Total, on savait pas en fait où est-ce qu'on en était. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Tu aurais quelque chose à dire encore, tu vois? Bah, le marquage au sol est pas bon. Oui, alors oui, effectivement, Mickaël a remarqué quelque chose, c'est que bah, ici on a, effectivement, je vous avais montré du 180 kW, 180 kW, et ici on a du 90. Et en fait, sur l'écran, c'est pas ce qui est indiqué, on a plus que 90. On a, enfin, je sais pas si c'est réellement le cas ou pas, mais ici c'est bien écrit 180, vous voyez. Donc au sol c'est noté 90 et ABB a priori quand vous regardez les bornes elles sont toutes identiques sauf la toute première qui est super puissante, mais sinon toutes celles-ci elles sont 180. Et tout à l'heure ce que l'on disait c'est que sur l'achat démo c'est pareil, donc on a l'achat démo qui est ici et vous voyez qu'on a donc la CCS qui est à 180 kW et l'achat démo en bas qui est écrit à 100 kW. Donc c'est bien noté achat démo. Je savais pas que les chats démos pouvaient monter jusqu'à 100 kW, pour moi c'était 50. Et du coup, vous voyez que bah, ici sur le sol, c'est pas précisé chat démo. Donc bon, faut le savoir hein, qu'il y a une chat démo. Mais là, c'est juste écrit DC 90 kW, alors que sur l'écran, c'est 100 kW et 180 pour celle-ci, alors qu'ici on a 90. Donc ça, faut le savoir. Donc bah, nos amis qui ont qui veulent charger en chat démo peuvent le faire également ici. Voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? C'est... Bah, je trouve ça sympa. Donc le plexus solaire c'est pas mal. Ouais. Pour dépanner, c'était une bonne charge. C'est un test en été. Ouais. À tester, en tout cas c'est moins cher. La voiture est bien chaude et ouais, en bonne condition, parce que là bon, il fait zéro. Ouais. Elle était à 60%, donc ouais, c'est pas encore tout. Bon, en tout cas, on espère que Lidl va continuer ce déploiement. Moi, si je ne me trompe pas, je sais qu'il y en a déjà une qui a été ouverte à Villefranche-sur-Saône. Celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième. Et non, il y en a trois autres qui vont ouvrir dans un délai assez rapide. Non, d'ici la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir déjà cinq stations comme ça, un peu réparties autour de la France. Si Lidl continue à faire un déploiement comme ça en regardant, bah, là, on est à peu près 1,5 km de l'autoroute hein, qui mène vers la Belgique. Est plutôt bien situé, donc ça c'est vraiment pas mal. Et surtout les tarifs sont très agressifs, hein, 40 centimes du kilowattheure aujourd'hui en charge rapide. Il y a très peu d'acteurs hein, qui le font de cette manière-là. Donc ça c'est très intéressant, c'est une nouvelle alternative aussi hein, pour charger rapidement. Donc bah, chapeau à Lidl et bah, continuez sur ça. Continue sur cette lancée hein, pour permettre à plus de personnes de charger et en espérant bien sûr qu'il n'y aura pas trop de débordements. Moi j'aurais bien vu une séparation en fait entre ce parking là où on a donc les chargeurs et puis le parking client, parce que je pense que rapidement quand le parking est plein il y aura des voitures ventouses qui viendront ici se garer et je pense qu'il faudra faire quelque chose pour un petit peu bah, améliorer le quotidien des utilisateurs et éviter d'avoir bah, des voitures qui se garent n'importe comment sur ces emplacements là. Voilà, bah, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me suivre, je continuerai à faire des vidéos hein, tout au long de l'année comme d'habitude et bah, sinon je vous dis à très bientôt, au revoir.